40 jours de jeûne, un vendredi saint, une célébration officielle de la Pâque, puis vient le lundi de Pâques, jour férié et occasion pour la plupart de se purger des excès de fête avant la reprise. Sortie à la plage par ce lundi très ensoleillé ou repas en famille à la maison, c'est selon. Depuis hier, nous étions à l'église et nous avions suffisamment écouté la parole de Dieu qui nous a fait du bien et que ce matin encore c'est le repos. Peut-être vers 15h, nous allons faire une petite sortie, aller saluer la famille et puis revenir tranquillement à la maison. Mais lundi de Pâques n'est pas toujours synonyme de repos pour certains. C'est vrai que c'est Pâques, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui, mais attendez, un responsable ne doit pas refuser. Peut-être on peut travailler un peu jusqu'à 16h en décembre pour aller rester avec les familles, mais un responsable toujours ne doit pas reposer. Et puis il y a ceux pour qui la Pâque n'est pas encore terminée. Lundi de Pâques, nous sommes venus dire merci au Seigneur. Il est ressuscité et nous venons lui dire merci. Lundi de Pâques férié, d'où cela nous vient-il donc? L'histoire raconte qu'avant le 19e siècle, Pâques était célébré durant toute une semaine, l'octave de Pâques, férié à certaines époques. Depuis, seul le lundi de Pâques est demeuré férié. Ce sont ces 8 jours-là qu'on appelle l'octave de Pâques et qui ont la même valeur que le jour même de Pâques. Et ces jours-ci, comme le jour de Pâques, on est toujours dans l'euphorie, dans la joie de la résurrection du Christ et on cherche dans la mesure du possible à se préparer intérieurement à vivre les autres jours de l'année. Une nouvelle année liturgique donc, entamée à bien des égards, comme la traditionnelle année civile.